on a fait évaluation et ouais ti foyer du feu qui est en bas vraiment en bas net yo pour on déca finir avec complètement pour nous déblayer zone ça pour nous vraiment qu'il y ait espace sensif pour tout le monde qui vit dans zone ça c'est absence l'état en général et responsabilité de tout le monde et l'un de l'état pas parce que c'est l'état central c'est l'état en général nous tout fait partie de l'état tout le monde qui investit en pile l'argent côté et puis on a un clin d'œil pour un monde irresponsable cause que tout le monde a perdu toute l'argent ça là premier en premier lieu c'est déblayer zone là déblayer repenser pour monde dans zone ça parce que guérit là et sous deux là pas bon gens lien n'a pas cherché en l'autre envisager en l'autre stratégie en l'autre espace et pour nous créer un marché qui est beaucoup plus safe pour nous permettre que monde ça évolue en bas la ville là que gain quotidien et qu'a toujours fait mais dans un espace qui est plus safe. Oui, je dis à la malheureusement nous jouons un mort en dedans et c'est regrettable et nous avons identifié qui est lié et c'est malheureux mais nous avons un juge de paix qui a venu là pour faire constat pour nous identifier qui est lié et pour nous avancer pour nous remettre les zones en bas la ville là j'ai toujours appris et faut que la ville soit refaite, mais pas refaite dans les conditions. Il faut que chacun prenne responsabilité. Il faut que mairie prenne responsabilité, l'État central prenne responsabilité, le propriétaire faut prendre responsabilité. De façon que nous puissions sécuriser et bailler l'aspect économique et marché ça qui existe dans la ville, dans la vie. C'est ça la problème. C'est courage, et je me dis, c'est un bail grave qui arrive là à cause de négligence. Et je pense que, bon. Et la vie continue, nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous unir pour nous jouer un moyen pour nous recapitaliser pour continuer à avancer avec la position. Normalement, nous-mêmes, nous faisons près de toute vie, nous avons fait plaidoirie pour nous nouveau marché. Et faut que nous, nouveau gouvernement, ça, nouveau président, nous sommes censés nous-mêmes te battre. Et combien de temps tu as marché, tu as rencontré avec lui, tu as battu un cahier de charges. Côté nous-mêmes, nous demandons au marché moderne. Et c'est Goumen à Goumen, nous ne sommes pas capables et nous avons déjà identifié l'espace pour le marché moderne. En fait. Parce que le marché, ça, c'est le marché économique pays. Hein. C'est le plus gros marché qui est censé être dans le pays. Ça. Et ce marché, ça, à 70% économie pays, hein, reposé sous dollars. Ça, c'est le marché grossissio. Tout gros commerçant, tout grand commerçant, c'est là, tout grossissio. Et c'est eux-mêmes qui font distribution dans tout l'autre marché. Yo. Ça veut dire, pour moi, économique paysan, c'est là, le chita. Nous ne sommes pas capables vraiment à fonctionner comme ça. Moi-même, nous toujours à plaider, nous toujours à faire plaidoirie pour que nous avons l'autre condition de travail. Parce que sans que notre travail là, jamais n'a travaillé, jamais chan n'a travaillé là, n'est pas bon. Moi-même, chan nous n'a travaillé là, n'est pas bon. Et vous imaginez, si Dieu fait ça, c'est à soi te prend. Vous imaginez qui dégâts que t'as fait, qui dégâts que t'as fait dans le pays ça. Son pays, c'est pas que t'as fait, c'est pas avant que t'as fait. Parce que toute économie paysan, c'est l'allié. 70% paysan, 70% économie paysan, c'est l'alchita. Et vous regardez tout le monde, vous ne parlez pas de l'État de travail. Vous même yo travail avec tête. Et chaque monde, ou en dedans, au moins pour Pipiti, il y a 30 personnes qui travaillent. Vous employez 10 personnes directes et l'autre 20 c'est indirect. Parce que l'on compte dans la ville, on compte dans ces 40 personnes qui dédouanent. Ça veut dire que c'est le job que vous créez. Et nous même qui créateurs de jobs. Parce que l'État lui-même pas gagné tout job ça pour le bail. C'est nous-mêmes non seulement nous créer job, mais nous les conditions. Nous ne sommes pas capables de travailler dans les conditions ça. Comme étant donné nous-mêmes dans l'association, nous identifions un espace. C'est pour l'État, les organisations internationales qui disent que ça soit c'est BID, que ça soit c'est BID, Banque mondiale, etc. Pour construire un plus gros marché pour nous, un marché moderne. Dans tout pays où passe un marché moderne, nous-mêmes ne sommes pas capables de vivre, nous ne sommes pas capables de travailler dans les conditions ça et nous rendons l'État en pile service. On va parler dans nos pièces.
Ma parle dans nos accès, dans nos marchands, tout sont marchands. Tout marchand, tout marchand. Toutes marchandises me boule net, m'a sauvé en de marché. Souliers, sandales, en gros. Magasin très encore. Et tant qu'on petit qui mourit. Rien. Pour le président du pays a dit on me boule. À tout le premier ministre, pour le descendre la vie garder. Comme il dit qu'on sache, marché à gros patik boule, gros patik pas boule, nous pas perdre des marchandises. Mais c'est pour descendre, pour venir vérifier, pour garder, pour pile l'argent, nous perdit. L'argent banque, l'argent pour là, l'argent escroc, c'est pas de l'argent. Monsieur Bagassa, nous avons déroché chaque monde, spécialement nous-mêmes marchands. En deçà, mon frère Bamna, je parle chaque fois, je parle avec Negro. Soi-disant nèg qui dit c'est directeur, c'est respecter le machin, je m'en parle avec eux. Même pour mercredi, après moi, catastrophe de bois, moi les une dans l'inspecteur. Je dis à Benito, pas la magistrat. Je dis à Benito, pas la magistrat. Pour faire déblayer ou devant. Parce que je moi n'ai pas construit machin ça, sous catastrophe n'a préparé ici à pour monde. Et je dis que ça va pas. Et vraiment vrai, nous disons ça mercredi, mais dimanche pour les machins, tout le bagage nous la donne. Pas rien, nous sauver un de machins là. En rien pas sauvé, même pas devant. Pendant la catastrophe là, nous avons fermé pas devant, pas rien nous a sauvé, en rien, pas rien nous dit, en rien nous a sauvé. Bon, c'est avec votre conscience nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas de bagaille, nous n'avons pas de bagaille, nous n'avons pas de bagaille. Des cas de sinistre qui arrivaient et c'est pas des bagages que nous avons souhaité mais qui malheureusement arrivaient. Donc la police et ensemble d'autorités sont obligées de gérer la situation d'abord pour nous pour assurer que nous sommes capables d'éteindre l'incendie et deuxièmement ouvrir enquête et continuer à servir la population et prendre des leçons, prendre des dispositions pour que nous capables d'éviter que des cas comme ça reproduisent. Mais malheureusement, nous avons un premier cas d'incendie, un deuxième cas hier dimanche. Donc, il y a des réflexions qui ont faites dans le niveau de l'autorité de l'État pour que nous soyons capables de prendre des dispositions de prévention pour capables de pallier à ce genre de situation. SDPJ, section départementale de la police judiciaire, qui tout de suite, dans Nutlan, a dépêché sous les lieux, a collecté informations. Mais il faut qu'on dise, dans le cadre de fonctionnement PNH, nous avons encore la direction centrale de la police judiciaire, qui est même capable de saisir et de cas, et SDPJ et transmettre ensemble d'informations qu'il est arrivé à collecter by DCPJ. Et enquête ça, c'est DCPJ qui a une direction. Donc c'est lui-même qui est capable vraiment informer la presse. Mais ça que je connais, c'est que gain enquête là continue, gain audition, interrogatoire qui fait, gain des monde qui est interpellé. On a excusé, m'a préservé le doigt pour ne pas dire qui est assuré. Donc je pensais pour ne pas nuire tout à enquête là, puisque c'est une enquête qui est beaucoup plus sensible. Il était du fait apprendre. Très tard le soir, donc côté que pas vraiment gain monde qui a fonctionné dans le marché A, et qui est différent de, du feu qui prend hier dans le marché Panama. C'est en journée, et pourtant que des monde qui dit sous cas du feu qui prend hier, dimanche. Donc, premier élément d'information que nous avons eu, fait nous souder. Donc, ça, nous, clairement, nous identifier, nous avons des informations et. Et la police, dans le niveau direction départementale l'Ouest, précisément sous commissaire de Bicentenaire, procédait à interpellation ligne. Et encore une fois, DCPJ, comme mission que la loi a conférée, l'y était remis sous les lieux. Et nous remettons l'y et prévenu ça. Donc actuellement, enquête là, l'a continué par la DCPJ. Mais. Comme responsable de l'Ouest, nous déjà à penser à garder avec autorité qui disposition qui capable prendre pour
éviter de pareil cas à répéter, mais nous connaissons nous dans le pays d'Haïti, nous sommes un pays qui n'est pas riche, pas c'est ça. Donc, on paquet de priorités, santé, éducation, etc. Mais ça, tout aussi important. Justice, que moi-même, j'ai chance pour présider, nous aussi bien préoccupés par les phénomènes incendies. Ça. Nous dit phénomène parce que, regardez, en moins de mois, donc deux marchés importants qui sont censés incendier dans la capitale là. Et il paraît que de toute évidence que c'est des incendies criminels, même s'il y a de l'autre version qui t'a fait croire que c'est incendies qui découlait de certaines négligences. Mais nous-mêmes, n'en niveau pas nous, en tant que responsables d'État, nous avons fait ça pour nous faire. Heureusement, il y a 5 députés qui étaient déjà pris le devant. Ils ont écrit nous, en tant que président, révélé que c'est des incendies effectivement criminels. Mais tout, nous avons invité le Premier ministre, qui est le président du Conseil supérieur de la police nationale, là, les mêmes tout qui ont une responsabilité directe dans la question. Parce que c'est lui qui a un gouvernement au pays même. Pour lui dire exactement, un, pour qui ça, marché va bouler comme ça. Deux, qui ça gouvernement prend déjà comme mesure pour capable eh bien améliorer les conditions marchandes qui perdent en pile bagaille dans le marché. Parce que c'est plusieurs milliers de dollars capable dit, qui passaient et là à travers les marchandises qui marchandent. Donc, Premier ministre, ce n'est pas de balle à vous monter, vous le dites. Nous avons traîné là devant la commission pour dire exactement qui vient d'y entendre accompagner victimes de ça. Moun qui gagne des bagages qui perdu le marché qui est incendié. La forme de tout, correspondant à 5 députés, ils ont fait objet de tout, ils ont parlé tout de questions et commissaire au CRAM, commissaire gouvernement, non pas que tribunal civil, qui remettent ministre de justice en démission et en démission que le président, on dit, le premier ministre n'a pas accepté. Nous ne pouvons pas comprendre. Second, notre procédure, le Premier ministre va l'apprendre nous. Pour qui ça, c'est le Premier ministre qui répond au commissaire gouvernement pour le dire, il n'a pas accepté des missions. Ça, autorité, ça a supposé paraître devant nous mercredi. On ne connaît pas si le président Garibaldo a déjà fait le nécessaire, parce que nous-mêmes, nous avons fait devoir par nous. Nous recevons lettre 5 députés jeudi qui était 15. Et février, dans vendredi qui était 16 février, nous avons remis correspondance responsive dans le secrétariat président Garibaldo et nous avons copié tous 5 députés qui ont écrit nous pour montrer que le président de la commission de justice qui l'a connu là, il n'est pas en train d'étouffer en rien, il est en train d'agir sur toute bagaille qui a un rapport avec la justice, toute bagaille qui visait et entrer, nous avons dit, aller à l'encontre de intérêt de la population, hein, surtout dans le domaine de justice, le président de la commission de justice a répondu présent. De ces marchés boulés dans l'état de discussion. Bien sûr. Et c'est le premier point dans l'invitation, hein, c'est marché cap incendieux. Naturellement, le premier marché, c'était marché Hippolyte. Malheureusement, deuxième marché, ça a vu boulé hier. Donc ça va augmenter encore l'homénie. Hein. On déploie ça et moi, à demander pour autorités qui concernent et pour responsabilité. Parce que nous-mêmes, comme parlementaires, nous venons, nous édicter des lois. Mais chaque bagaille, il y a des autorités qui l'ont pour eux. Par exemple, il y a un service d'intelligence dans le pays d'Haïti, que en pile monde, tant que moi-même, toujours reproché. Côté que service d'intelligence, surtout au niveau du ministère de l'Intérieur, n'est pas un service qui est efficace vraiment. Parce que pas bien démarcher dans le niveau ça qui brûle pour service intelligence pas capable bien temps mettre et bien et autorité concernée sous une piste pour capable commencer à arrêter des monde et c'est pas foire station non arrêter monde qui pas connait rien non pour arrêter des monde vrai qui concerné dans ça qu'a fait et puis pour un suivi judiciaire qui fait pour des exemples tracés si la partie par exemple n'a dit la partie de 98 à aujourd'hui
pour me garder qui va aller marcher qui boule. Après c'est presque dans intervalle un an toujours bon marché dans capitale là qui boule. Là c'est pas Pétionville, c'est Tabac, là c'est pas Tabac, c'est là toujours bon marché qui boule. Donc faut qu'on comprenne pour qui ça. Et chaque fois bon marché qui boule, nous par exemple gouvernement qui la capagia, il vient bien plus et bien bagage sous contenu parce que c'est de l'argent qui était là pour faire de l'autre bagage qui est désaffecté pour y aller garder si vous êtes capable de courir au secours de monde qui en bas qui est victime immédiatement pour regarder qui ça est capable de faire pour restructurer des bagages qui étaient là déjà et puis détruits. Donc ça c'est des bagages graves. Ça a interpellé nous comme responsables au niveau de l'État. Malheureusement, population pas qu'on comprenne, pas qu'on vienne à un niveau de compréhension, ça, pour faire une décantation, pour bah, chaque monde vraiment relevé. Je veux dire, quel que soit le problème, la population a gagné, ou après c'est qu'à être député. Je veux dire, de trois mondes qui parlent de conséquences, ça peut plus. C'est trois députés circonscription contre pension. Collègue Jean-René Lochard, collègue Quentin Bélizère, collègue Roger Minier. Les trois députés, ça, qui aiment dans circonscription et pas au pensant, qui aiment dans commune pas au pensant, ou après trois circonscriptions, ça, ils peuvent payer ça très cher. Parce que la population, l'autre problème, c'est devant votre cas député à l'encampé. Pour dire député, dégagez-nous avec eux. Ils te votent pour la solution, je veux dire, dans la situation difficile, dégagez-vous, résoudre le problème. Donc, nous connaissons un bon marché. Chaque semaine, ou bien deux fois par semaine, il y a 7 cas de fête. C'est que vous passez contre ces marchands, vous ramassez 5 dollars, 10 dollars dans chaque petit marchand. Vous parlez de sécurité marché, vous dites sécurité marché, gagnez un bien directeur qui dit qu'il a sécurisé le marché et qu'il n'a pas fait d'argent, j'en ai dit, qu'il a ramassé l'argent dans les petits marchands. Qui ça l'argent, ça a réglé? Quel agent sécurité qui est dans le marché? Est-ce que vous ne savez pas bien comment vous rendre la justice? Comment le marché a fait brûler? Comment vous ne même arriver à une explication sur qui le marché a fait brûler? Pendant que chaque semaine, ces marchands ont un compte local pour payer sécurité, pour payer directeur marché. Et la mairie lui-même a un compte marché et des agents sécurité. Ça. Donc, il faut que chaque autorité prenne responsabilité. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, là, faut qu'il prenne responsabilité. Faut que le justice prenne responsabilité. Faut que le directeur et le général de la police prenne responsabilité. Faut que dire. Je suis très préoccupé parce que moi-même, je suis un qui était en vente à une époque, Delma 32, donc il y a une machine qui fait éducation. Moi, ça me fait chercher un crédit pour ça. Mais je pense que faut que l'autorité municipale redouble d'efforts pour capable sécuriser le marché. Donc, le marché n'est pas sous compte du gouvernement central, il n'est pas sous compte du pouvoir législatif. Là. Donc, je pense qu'en pile fois, et Mili a toujours appris que la question de fonds communaux, fonds collectivités, il y a un ensemble de problèmes qui posent. Mais là, il y a une occasion pour prendre responsabilité pour être capable de sécuriser le marché. Parce que je regarde ce qui passe là dans le marché en fait là. Encore hier, tout. Un pile faut que fait là pour nous être capable de éteindre du fait ça. Donc ça c'est des débats qui récurrent dans le pays. Donc il faut commencer à dire tête notre qui côté nous aller comme société. Donc pour nous doter pays de non seulement un service pompier qui là qui bien équipé, l'incendie, tout ça qui est disponible pour nous capable joindre l'eau pour éteindre du fait ça. Mais c'est le problème notre en amont. Donc il est inconcevable tout dans le pays question marché à son bail qui gère comme c'est Mdazo de manière politique, qui mérite là, qui directeur marché, est-ce qu'il prend des fois, c'est des mouns et ça va nouvelle pour personne, c'est des mouns qui nous amènent des fois, qui ont fait la loi dans le marché. Donc, même pas c'est l'autorité municipale, il faut prendre responsabilité, la police nationale, il faut prendre responsabilité. Il est inconcevable, même pour Balien d'un pays, il a regardé qui sa président a dit, sa président Sénat a dit, sa président Chambre des députés a dit. Donc, nous vivons là, dans le pays, à chaque monde qui a une responsabilité, il faut qu'il prenne ce genre de demande constitutionnelle. Donc, dès que. Procédure respectée. Donc, il y a effectivement une lettre qui a été acheminée auprès du bureau pour demander interpellation de la justice là. Mais ça a été mieux, selon les coutumes, que les députés aient fait ça au cours d'une séance. Mais bon, malheureusement, c'est écrit. La Constitution, son article 222, ben c'est clair. Et cette lettre sera acheminée dès cet après-midi. Au niveau de la conférence des présidents pour que nous fixions date pour CS interpellation. Forme d'interpellation, ça est-ce respecté, président?
Bon, c'est pas à moi de statuer sur les procédures. J'aime dire nous avons l'être qui voulait, nous avons connaissance de l'être là, on est noté dans le carnaval. Il y a une activité culturelle dans le pays et il y a une activité tout professionnelle. Pas oublier que dans le week-end, la Chambre des députés a fait une séance pendant le carnaval, a fait un atelier, une séance de travail qui a duré pratiquement 4 jours pour que l'ensemble des projets de loi exécutif a été voté dans la dernière session. Dans l'agenda législatif, et commun a fait pour l'année 2017 là qui pas fini voter donc nous avons statué sur eux donc semaine ça il y a un pile projet de loi nous va gagner n'a voté pendant toute semaine là. Donc c'est à la conférence des présidents de décider qui leur a metté et on date pour que le ministre de justice là réponde avec interpellation donc la constitution est claire donc nous sommes tenus et pour nous respecter la loi donc mon aucune opinion sur la question. Donc, dès qu'il y a interpellation, il y a un député qui a interpellé le ministre pour être capable de faire une motion de censure. Donc, nous allons regarder comment ça a déroulé, mais nous-mêmes, quant à nous, au niveau du bureau, nous saisissons des questions. Et seul ça nous avons fait, c'est soumettre la conférence des présidents pour que nous fixions date. Donc, nous n'avons aucune opinion. Si l'a tombé, si le pape tombé, ce n'est pas travail par nous. Nous sommes le président de la Chambre, nous au-dessus de la mêlée. Donc, nous allons regarder pour nous. Mais nous-mêmes, priorité par nous au niveau du bureau. Et cette semaine, c'est voter autant de lois possibles qui peuvent aller dans l'intérêt de la population. Par exemple, loi sur accessibilité avec ensemble de bâtiments pour handicapés. Semaine, ça, nous allons mettre au vote. La taxation des carrières. Libéral au vote. Donc, bon, ensemble des projets de loi sur l'assistance légale pour les gens qui ont un avocat. Donc, toute loi ça a eu au vote, tout projet de loi ça a eu. Donc, nous pensons que c'est pour la semaine cap riche en production législative. Nous à toute marchande qui était victime de incendie qui était survenu dans la nuit du 12 au 13 février à la marché Hippolyte. Et nous avons tout profité également pour nous présenter sympathie nous. Ok, à toute marchande okay, qui est victime de l'autre incendie qui a éclaté hier soir dans le marché du fort. Comme nous connaissons le président de la République, il a demandé au Premier ministre pour mettre en place une commission interministérielle qui est la dernière, ministère du Commerce, ministère des Affaires sociales et ministère à la condition féminine. Et dans l'objectif pour nous décarrer dans un premier temps, et dresser et font listing de tout, recenser toutes marchandes qui étaient victimes, yo, et bay marchandes sa yo ou allocation pour yo capable subvenir à besoin, pour yo capable joindre les deux bouts. En ce sens, et intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous commençons avec recensement, mais l'islam pas marchande victime n'est pas exhaustive, n'a gain pour bayo ou allocation. Garde qui sur les lieux qui au niveau marché en cap fait ou évaluer déterminer niveau perte là et pour capable bayo bilan chiffré de perte là. Et sur cette base, une fois que nous fin fait bilan ça, n'a pas capable accompagner machin ça qui c'est des petits qui c'est des micro-entrepreneurs et pour nous aider yo échafauder ça au plan d'affaires et référer yo à aux institutions financières de la place telles que FDI ou bien ONA pour yo capable joindre ou aide suffisante pour yo capable reprendre activité yo parce que comme nous connaissons les petites et moyennes entreprises représentent le choc même de notre économie. Et la plupart de marchands qui frappent eux, c'est des femmes. Et nous connaissons femmes dans le pays d'Haïti, c'est cheville ouvrière économique. Comme au niveau du gouvernement, nous en service et au service de la population, on va tout mettre en œuvre, on va tout faire pour voler au secours, pour ne pas voler au secours de marchands sao, okay, dans la mesure du possible. Et en ce sens, je vais passer la parole à la ministre des Affaires sociales qui va nous informer, qui va nous donner des informations relatives au recensement qui est en cours. Et une fois que c'est sous base ça, nous permettons
ok, commencer par les marchands ou à location dans un délai raisonnable. N'a partagé toute sympathie, toute douleur, toute souffrance que victime de du feu qui passait la nuit 12 février et ça qui est arrivé avant hier là. Alors ministère affaires sociales nous mettait tout en branle depuis le président et lancé commission hein. Tout un staff pour aller kounia joindre qui possibilité pour nous gagner au moins monde qui victime yo marchand yo femme con garçon pour nous ka gagner tout nifio avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état noyé qui gens pour nous bailler assistance c'est pour nous ka identifier et identifier en tant que citoyen. De ce fait nous joignent des listes qui donc gagne Digicel que nous connaît qui gagne une liste exhaustive qui gagne environ 542 marchands. Mais liste Digicel là malheureusement n'y pas gagné NIF avec SIN. Alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique condition féminine et ministère commerce là et nous dans marché hein, nous en contact des marchands que nous connaît qui perdu des marchandises yo, ça veut dire en contact yon ak l'autre nous commencer recenser en pile marchand avec NIF yo SIN yo pour à partir de l'ONA, à partir de CIS, pour nous cas rapidement, bayo en certaine allocation, Jean-Ministre Commerce l'a dit, hein, pour rapidement, pour nous cas soulager Mounio, ça c'est réponse urgence, là, en attendant que nous fassions. Et Papita, que matin encore, nous rencontrer justement avec trois marchands, trois messieurs qui dit à pour reformer yo, pour yo former une association des marchands victimes d'incendie marché Hippolyte côté yo même yo senti urgence là pour yo mettre en association pour aider nos gouvernements capable identifier marchand yo capable faire par secteur parce que nous connaissons plusieurs types marchand ça que on a vendre cosmétique ça que on a vendre fruits légumes ça veut dire c'est à partir de regroupement ça nous pral nous-mêmes poter coller et ça pral faciliter notre travail et comme dans liste là gagne en pile NIF SIN qui manquait alors tout lancer un appel à toute marchande qui connaît que yo victime pour yo capable faire nous joindre SIN NIF yo toujours gagne quatre techniques qui gagne dans marché qui gagne identification yo, soit ministère du commerce soit ministère affaires sociales soit ministère conditions féminines pour nous-mêmes le plus tôt possible pour nous cabailles en réponse rapide et moi remercier et toute marchande qui collaborer avec nous qui comprennent que gouvernement que président Jovenel Moïse senti douleur que premier ministre Jacques Guy Lafontaine et nous tous dans le gouvernement Jean-Ministre Commerce dit nous là au service nous et nous là pour nous servir alors moi remercier pour toute collaboration et me faire appel à toute l'autre machine qui victime qui du moyen du autre qui pas qu'à joindre nous nous même nous là nous disposer disponible pour nous encadrer dans cadre incendie marché Hippolyte sur demande membre commission et sur instruction le président de la République et le premier ministre. L'ONA est une institution, l'État, qui sollicitait dans le cadre de la mission qu'elle gagnait pour être capable de participer dans le redressement de la situation. Je vais rappeler pour tout le monde que l'ONA a deux missions. La première mission, c'est une institution financière. Et la deuxième mission, l'ILA, pour intervenir dans le cadre de la sécurité sociale. Rapide participer dans collaborer dans bail une allocation rapide à une partie dans marchandio et mais pour ça arriver fait comme l'État j'ai mis ça au prendre n'a besoin gain identité monio ou gain noyo ou gain nifio de façon pour nous capable préparer à l'occasion parce que nous-mêmes, nous étant au niveau de l'ONA, nous avons une commission interne qui est capable de travailler rapidement et bailler réponse à la situation.
Deuxièmement, sur le plan structurel, en termes financiers, nous gagnons tout pour nous capables d'aider les marchandises et même avec nous capables d'accorder des sursis pour nous capables de reprendre au fur et à mesure et de nous capables de relever de situation ça. Encore, l'ONA, dans le CADSA, l'a joué rôle comme institution et que nous pensons que Jean-Ministre dit au début, ça fait tout pour mal. Parce que en majeure partie c'est femmes et nous connaissons que l'ONA li penché en pile sous femmes yo sous ces machin yo à travers programme ONA femme là donc nous censé nous interpeller et ça fait nous vraiment mal jusqu'aux os et nous penser participer et n'a participer selon instruction gouvernement et même commission CAS dans loi qui crée CAS là mission CAS c'est pour porter assistance à tout le monde qui en besoin. Et nous passons savoir que comment que bouler marcher ça comment le porter douleur misère car en pile monde dans société a c'est ça que fait sous instruction ministre affaires sociales là nous même dans CAS nous gain une rubrique qui c'est œuvre sociale ça que fait moi indiquer rubrique là c'est pour m'indiquer c'est pour me capable souligner que intervention que nous pas le faire pas déranger bénéficiaire nous allocataire mensuel là allocataire mensuel yo a toujours joindre frère correctement. Li pa déranger employé yo. Employé yo a joindre salaire yo correctement. C'est dans rubrique œuvre sociale là côté que c'est un corps qui disponible pour nous porter assistance nous bay tout monde qui en besoin. Et déjà ministre affaires sociales là autant de fois que li instruit nous, li voye liste ba nous même n'a bay chèque. Donc tout autant que y a ba nous liste parce que nous même nous mandé NIF pour ka joindre liste, faut chaque bénéficiaire monde qui va joindre mettons urgence administration qui est mobilisée pour que nous baille chèque yo à temps. Nous connaissons que de lundi soir jusqu'à journée jodi après catastrophe qui t'est fin passé dans marché Hippolyte, gen en pile émotion, gen en pile parole qu'a dit. Mais journée jodi nous-mêmes qui représentait commission que président Jovenel Moïse t'est metté campé sous pied. Nous vinn di population nous venons dire tout le monde qui perd du marchandise dans l'incendie ça. Nous venons dire que le gouvernement l'a déterminé et nous-mêmes dans la commission, nous entendons poursuivre le mandat que le président Banouan jusqu'à ce que tout le monde joigne satisfaction. Nous connaissons généralement dans la tête qui fait yo, plus fort le monde, c'est la femme. Toi ka moun ki t'ap vann nan marché an c'est femme. Journée jodi an moi-même comme ministre condition femme ak droit femme m'ap pote sympathie bay tout moun solidarité bay tout moun mais de yon manière spéciale m'ap pote solidarité bay mesdames yo bay femme yo. Nous connaît nan famille le plus souvent mesdames sa yo c'est yo même qui rele c'est yo même qui répond. C'est eux-mêmes qui papa, c'est eux-mêmes qui maman. Nous connaissons aujourd'hui, ces entrailles qui ont déchiré. C'est ça qui fait que, depuis le lendemain de catastrophe, là, moi, j'étais délégué en bas dans le marché, équipe ministère condition femme et droit femme, avec identité, avec maillot ministère sous, qui était accompagné de brigade ministère commerce, brigade ministère affaires sociales. Côté que yo te chita, non seulement avec directrice marché an, mais côté que yo te gen chita avec un pile ti machan kap di et nous te déjà connaît déjà que c'est un jour le jour que y a vive. Cela veut dire que si un jour yo était yo pas venu dans marché la caille la blanche la caille la rete tête en bas et ben journée jodi an nous di yo que toute disposition gen t'en prend déjà yo mettre été confiant yo mettre été rassuré que tout le monde qui perd du marchandise, tout le monde a besoin d'accompagnement et avant longtemps, dans la semaine même, il y a des réponses positives qui prennent le bail, fait gouvernement confiance, fait président confiance, fait commission confiance, tout le monde a besoin d'accompagnement pour non seulement la vie capable de reprendre en dans marché, mais que la vie tout capable de reprendre en dans caille.
cheve. Ke yon pilon pil komers me ge 6 piti. Bagi person, bagi mari, se komers la pe kay. Se komers la ki pe l'ekol pou pitit me ki bal manje. Depi komers la fin brile ya, se vazina ka fem viv. Vazina ka fem viv. Bagi yon goun nan men. Tout a fe mèm kom dap semble. Pou mpe moun mwen dwe. Tout la jan net pedi yon dan manje a tout brile. Pou nan bagre pou mbay ti moun yo. Mèm l'ekol mwen dam vin paka paka pe. Paske m pa ge ou gout nan men. Me ze vin pa pmane. Ma pmane sa da fe pou nou. Di ou mou pou nou. Pas m ba me pa an serye ou pa se fe. Pa an serye ou pa se yo gade. Yo gade ou pale avek dirijan manje ou direkter. An playe manje ou me pa an serye. Yo di ti manje yo. Nou men manje yo pa di nou an. Depi yo vini. Moun manje ou pran yo direkter. Yo pran yo, y avanse pi lòt bò, nou menm ki machan yo, nou pa menm tande tout sa di yo men. Mwen, chak matè m leve, mwen chita nan biznis mwen. Mwen chita nan biznis mwen pou mwen de biznis mwen. Mwen gen yuj depi mwen machè, mwen fè mwen kak pou mwen machè nan peyi. Sa ve di mwen gen 19 an depi mwen fè biznis. Mwen kon piti piti la, gen 19 an depi mwen fin fè mwen fè biznis. Sa ve di se nan biznis mwen leve, se nan biznis mwen beye l'ekol pou li. Se lan fè tout a fè, mwen abye mpe ka. Mwen fè tout afèm. Mwen pou le mouman aksel la. Mwen kompè mba adout se mande. Mba kon kon moun moun mande. Mba kon kon moun moun alele devan televizyon. Kon pou la premye fwa. Bisis mwen pou le mge 3 bisis. Sou le 3 bisis ou pou le. Nou tout ouè la. Nou la ge demè balanse. Marim bap travay. Marim bezon biznis. Mbezon biznis. Sem bezon biznis. Kouzin me bezon biznis. Mbezi de shop. Le cheve na achete al achete Amerike. Kote moun ki kon vwena gwo yo. Tout machan zis ou pou le. Nou pa ke kote pou nan kredi. Je suis très inspirée aujourd'hui d'être entourée de ces femmes leaders et particulièrement d'haïtiennes engagées et déterminées et de ces hommes féministes aussi qui sont nos alliés pour cette cause commune. Les mairesses, mairesse adjointe, les représentantes des associations féminines, bientôt la ministre de la Condition féminine et des droits des femmes, Madame Eunide Innocent, va venir à notre rencontre aussi. Mesdames, je suis honorée que vous soyez avec moi aujourd'hui. Mon message est simple. Mesdames, le Canada est à vos côtés. Message mais en simple. Mesdames, Canada a marché avec nous. Le Canada considère que la façon la plus efficace pour éliminer la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 est de renforcer le pouvoir des femmes et des filles. Alors c'est pourquoi nous avons lancé une politique d'aide internationale féministe qui défie le statu quo et qui permet aux femmes et aux filles de développer leur plein potentiel au même titre que les hommes et les garçons. Quand les femmes peuvent prendre leurs propres décisions sur tout ce qui touche leur vie, quand elles peuvent participer à la politique et accéder à des postes de prise de décision, quand les femmes et les filles ont accès aux soins de santé et particulièrement aux services de santé sexuelle et reproductive, alors elles peuvent poursuivre plus longtemps leurs études, gagner un meilleur salaire et contribuer au développement de leur communauté. Elles peuvent défendre leurs droits et entraîner des changements positifs et durables pour tous. Et qui de mieux que les organisations de femmes locales pour porter leur voix? Ce sont les mouvements et les organisations de défense des droits des femmes à l'égard des femmes et qui s'engagent pour éradiquer les violences basées sur le genre. Ce sont les mieux placés pour savoir comment défendre leurs droits et supprimer les obstacles à l'égalité. Pourtant, encore aujourd'hui, les organisations de femmes sont sous-financées et trop souvent marginalisées et écartées des discussions et des prises de décision. C'est pourquoi en juin dernier, le Canada s'est engagé à verser 150 millions de dollars au programme Voix et leadership des femmes. Cette initiative va appuyer des organisations de la société civile
dans une trentaine de pays qui défendent les droits des femmes, une trentaine de pays en développement, dont Haïti, bien évidemment, qui défendent les droits des femmes et qui renforcent leur pouvoir social, économique et politique, et qui promouvoient leur inclusion et leur participation au dialogue politique. C'est pourquoi je suis très fière d'annoncer aujourd'hui la toute première contribution du Canada dans le cadre du programme Voix et leadership des femmes. Nous poêler aider fait famio, tendez-vous à nous. Voix et leadership des femmes haïtiennes sera dotée de 8 millions de dollars sur 5 ans. Cette initiative appuiera une trentaine d'organisations locales et réseaux de défense des droits des femmes en Haïti. Des organisations de femmes haïtiennes ont déjà identifié 3 principaux champs d'action qu'elles veulent cibler pour les 5 prochaines années depuis 1971. Le CECI compte aujourd'hui une centaine d'Haïtiens et d'Haïtiennes à son emploi. Cette équipe, Canado-Haïtienne, a depuis longtemps fait de l'égalité des genres un de ses principes directeurs. Le mouvement féministe en Haïti a joué un rôle primordial dans les gains en matière de lutte contre les inégalités. Plusieurs organisations féminines haïtiennes ont malheureusement perdu leur leader lors du séisme dévastateur de 2010. Et depuis, elles travaillent à se reconstruire, malgré le manque de fonds. En leur donnant un financement et de la formation sur plusieurs années, ces organisations pourront mieux planifier leur stratégie de développement, gérer leurs projets, planifier leur stratégie, collaborer avec différents acteurs, y compris avec les médias, les universités, le gouvernement et d'autres organisations de défense des droits de la personne. Ce projet rejoindra directement plus de 3 000 femmes et filles et 130 000 autres indirectement. Durant les prochaines années, je suis certaine que nous verrons émerger une nouvelle cohorte de femmes leaders en Haïti et que nous verrons une société civile encore plus dynamique, plus écoutée et mise à contribution pour le développement durable d'Haïti. Les voix des femmes doivent être entendues dans toutes les sphères de la société, au Canada et en Haïti. Nous avons besoin du leadership conjoint, des femmes et des hommes, pour qu'ensemble, on puisse bâtir un monde meilleur, pour briser le cycle de la pauvreté, ce qu'on ne pourrait pas faire si on laissait la moitié de l'humanité de côté. Messieurs, je vous invite à accueillir parmi vous ces femmes incroyables qui veulent travailler avec vous pour une Haïti plus inclusive et plus prospère. Mesdames, ne doutez pas de vos capacités, portez vos voix haut et fort. Le Canada et Haïti connaissent une belle histoire commune et avec voix et leadership, nous allons écrire un nouveau chapitre fascinant. Merci, merci en pile. Yo, ap salye tout machan ki pedi komès yo nan gwo katastrof koken chen di fe ki te pase nan mache anfè ak mache milyon ki te 12 ak 18 fevriye 2018 lan. Li profite pou di yo tout li pataje pen yo. A Fedevo ap mande ak gouvernement ki lage de bra panje paske se kob eskont ki nan men yo pou peye kay, voye ti moun l'ekol ak jwenn la manjay pou pitit yo. A Fedevo ap fini pandan lap di gouvernement mersi pou desizyon pozitif sa li pran pou akompanye vre viktim yo, pou yo ka jwenn chime l'espoi. Nap mande ak tout moun ki kote katastrof sa blese yo non fason ou lot pou yo pran konsyans paske lè ne pran kou je kouri dlo. Pou yon katastrof kon sa pa chanm repete nan peyi d'Haïti ankò. Viv a Fedevo, viv fam, viv Haïti. Nou menm nan a Fedevo ki se de fam elu delege de vil pou departement de l'Ouest. Nou la pou nou voye zye sou tout sa kap pase an dan
pays nous, en dans département nous et surtout en dans commune nous. Journée aujourd'hui, nous faisons conférence de presse, c'est pour nous sympathiser nous avec tout problème que parents ont enduré après que du feu passé, ils ont perdu toute marchandise. Et c'est maman nous, c'est frère nous, c'est papa nous, c'est toute génération nous qui dans moment ça a souffri parce que le machin yo a relé, y a crié que ça yo aller droite dans entrailles nous. Parce que comme ce compte ça que yo prend, c'est la banque yo aller pour permettre que yo gagner des marchandises pour yo capable aider famille yo, mais malheureusement du fait passé et moun sa yo la gré des bras pendu. Et c'est ça qui fait nous accompagner l'équipe à FEDEVO pour nous dire à gouvernement central pour aide que yo pral ba yo pour yo joindre vraie victime yo parce que moun yo a souffri, yo besoin yo aller mieux, yo besoin un bagage pour permettre que yo démarrer. Évaluation et ouais tu foyer du feu qui est en bas vraiment en bas net yo pour on déca finir avec complètement pour nous déblayer les zones ça pour nous vraiment qu'il y ait espace sensif pour tout le monde qui vit dans zone ça c'est absence l'état en général les responsabilités de tout le monde et l'un de l'état pas parce que c'est l'état central c'est l'état en général nous tout fait partie de l'état et nous avons investi en pile l'argent côté et puis on a un clin d'œil pour il est un monde irresponsable cause que tout le monde a perdu toute l'argent ça là premier en premier lieu c'est déblayer zone là déblayer repenser pour mon dans zone ça parce que guérit là et sous deux là pas bon gens lien n'a chercher en l'autre envisager en l'autre stratégie en l'autre espace et pour nous créer un marché qui beaucoup plus safe pour nous permettre que mon ça évolue en bas la ville là que gain quotidien qu'a toujours fait mais dans un espace qui plus safe. Oui, je dis à la malheureusement, nous jouons dans le monde. Et c'est regrettable. Et nous avons identifié qui est lié. Et c'est malheureux, mais nous avons un juge de paix qui a venu fait constat pour nous identifier qui est lié. Et pour nous avancer, pour nous remettre les zones en bas de la ville, j'ai toujours prêché. Il faut que la ville soit refaite, mais pas qu'elle soit dans les conditions. Il faut que chaque monde ait une responsabilité. Il faut mairie une responsabilité. Et ça, c'est la responsabilité. Le propriétaire, il faut une responsabilité. Tout. De façon qu'on puisse sécuriser et bail aspect économique et marché ça qui existe dans la ville, dans la vie. Bon, c'est ça la problème. C'est courage, et je ne sais pas si je dis. C'est bail grave qui arrive là à cause de négligence. Et je pense que, bon, et la vie continue. Nous allons nous mettre ensemble. On a une tête pour nous jouer un moyen pour nous recapitaliser pour continuer à avancer avec la position. Normalement, nous-mêmes, nous faisons près de toute vie, nous avons fait plaidoirie pour nous nouveau marché. Et il faut que nous, nouveau gouvernement, nouveau président, nous sommes censés nous-mêmes te balles
un commerçant qui est dans le marché, qui est rencontré avec lui, qui est dans le cahier des charges. Côté nous-mêmes, nous demandons au marché moderne. Et c'est Goumen à Goumen, nous ne sommes pas capables et nous avons déjà identifié espace pour le marché moderne. En fait. Parce que le marché, ça, c'est le marché économique pays. C'est le plus gros marché qui est censé être dans le pays. Et ce marché, ça, à 70% économie pays reposé sous dollar. Ça, c'est le marché grossiste. Tout gros commerçant, tout grand commerçant, c'est là, tout grossiste. Et c'est eux-mêmes qui font distribution dans tout l'autre marché. Ça veut dire, pour moi, économique paysan, c'est là le chita. Nous ne sommes pas capables vraiment à fonctionner comme ça. Moi-même, nous toujours à plaidoirie pour que nous avons l'autre condition de travail. Parce que sans que notre travail là, sans que notre travail, sans machin que notre travail là, il n'est pas bon. Moi-même, ça nous on a travaillé là, nous pas li pas bon. Et ou imaginez si Dieu fait ça, c'est à soi le te prend. Ou imaginez qui dégâts que t'as fait, qui dégâts que t'as fait dans pays ça. Son pays, c'est pas que lui t'a fait, c'est pas avant que t'a fait. Parce que toute économie paysan, c'est l'allié. 70% paysan, 70% économie paysan. De là, donc souhait que dans Ronald se fait une sorte de symbiose. Ouais, Ronald Smelfort qui donne tout le monde vient là, parce que justement, gens qui vivent là, et service qui apprennent la société, tout le monde qui joue aujourd'hui dans la société, ou doit montrer ou humble, ou doit montrer ou généreux, ou doit montrer qu'on fait travail avec en pile conscience de manière là où aller, pour tout le monde qui regrette qu'on aller, pour tout le monde qui salue des pas. Les suites du scandale au sein d'Oxfam avec ces nouvelles révélations faites par l'ancien directeur de l'ONG en Haïti. Le responsable a reconnu avoir eu des rapports tarifés avec des prostituées dans des locaux financés par l'organisation en 2011 lors d'une mission consécutive au séisme qui avait frappé le pays en 2010. Des faits qu'il avait dans un premier temps niés mais qui ont été confirmés à l'époque dans un rapport interne d'Oxfam rendu public aujourd'hui. L'organisation a décidé de publier un communiqué. Nous faisons cette publication exceptionnelle parce que nous voulons être aussi transparents que possible sur les décisions que nous avons prises au cours de cette enquête. Nous espérons que cela contribuera également à rétablir la confiance auprès de ceux qui soutiennent notre travail.